Ah bah je vous trouve bien flou aujourd'hui, dis donc. Attendez voir. Wouh, nous nous voyons. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la carrière et actuellement je suis assise sur ce que je dois vous présenter. Ça fait 4 ans que je suis sur YouTube, 4 ans que je vous propose des vidéos et c'est seulement au bout de 4 ans que je me suis rendu compte qu'il y a des vidéos que je ne vous ai jamais faites et que vous êtes toujours autant nombreux à me les demander. C'est des vidéos qui, en tant que youtubeur ou youtubeuse, tu dois les faire, surtout dans le monde des castes. C'est des vidéos de base. Et moi, je les ai jamais fait au bout de 4 ans. Donc aujourd'hui, je me suis dit, Océane, on va remettre ça à jour et tu vas les faire. Au moins, elles seront sur ta chaîne et les gens seront contents. Du coup, aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire la présentation de mes boîtes de pensage. C'est parti. Bah bien. Tu vas te faire engueuler par Claire. T'as pas le droit d'être dans la carrière. Oui, oui, oui. Allez, sors. Dépêche-toi. Dépêche-toi, vilaine. C'est bien. Du coup, pour mes boîtes de pansage. Donc, en soi, j'ai qu'une seule boîte de pansage, mais il y en a une autre qui me sert pour autre chose. Voilà. Alors, mes boîtes de pansage, vous devez certainement connaître la marque. Ce n'est plus un secret. Je possède deux boîtes de pansage de la marque Unique Horse. Alors, la première que j'ai eue il y a un bon moment et une seconde que j'ai eue il y a moins d'un an ou un an. Alors, celle que j'utilise le plus maintenant, c'est celle-ci. Puisque celle-ci, c'est là où sera rangée toutes mes brosses que je vais vous présenter juste après. Et celle-ci, c'est la boîte où du coup, je range tout ce qui est les produits. Vous verrez qu'il y a autre chose dedans et également un peu des produits de pharmacie. Les médicaments sont encore dans cette boîte-ci. En ce qui concerne cette première boîte, donc hop, il y a la petite logo de la marque Unique Horse. La couleur, elle est un peu gold en fait, je sais pas trop, elle fait orangé, gold, ouais c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Et normalement quand on est au soleil, or aujourd'hui il n'y a pas de soleil, et eh bien ça fait vraiment multicolore et c'était une couleur que j'aimais vraiment beaucoup. Et on est comme ça à l'intérieur. Donc ça, normalement, c'est comme ça, messieurs, dames. Voici comment se présente l'intérieur. Alors, au tout début, il y a ces petits rangeoirs, en fait. C'est une petite plateforme, je sais pas comment on appelle ça, mais qu'on peut enlever et remettre selon notre envie. Donc, à ce niveau-là, il y a un mètre. Donc, ce petit mètre-là me sert beaucoup lorsque je dois faire des mesures sur les poneys. Bibi! Bibi! Ah non, c'est Golden! Oh, la nulle! Il est là, Bibi, tout sale. Du coup, ouais, c'est le petit mètre que je garde lorsque je dois mesurer les poneys, vu qu'ils sont pas très grands, ça fait les mesures qu'il faut. Et juste derrière, nous avons mon petit gel désinfectant pour les mains, qui a été bien utilisé. À côté, nous avons des petites lingettes, donc les Easy Shine, que j'utilise du coup pour nettoyer les yeux des loulous. Donc normalement, ça c'était pour l'été. Je vous en avais déjà parlé dans ma routine pansage. Celle-ci, voilà, vu que l'été, ils n'ont pas énormément les yeux qui coulent, j'utilise les petites lingettes là pour leur nettoyer les petits yeux et les petits naseaux. À côté de ça, nous avons une paire de ciseaux, donc ça n'a rien à voir avec une paire de ciseaux pour couper les crins, mais j'utilise ce ciseau-là pour leur couper, vu qu'ils n'ont pas non plus une tonne de crins, ces petits loulous-là. Du coup, voilà, ça pour l'instant, ça fait l'affaire, mais il va falloir que j'investisse dans un ciseau. Une mise au point, s'il vous plaît? Ça veut pas. Voilà, il faudra que j'investisse dans une nouvelle paire de ciseaux parce que du coup, des fois ça marche, des fois le ciseau bug un peu. Mlaya, tu arrêtes de pigner. Du coup, voilà, là, c'est mon petit ciseau. Cherchez pas pourquoi il y a une petite loupe. Voilà, j'ai une petite loupe. Comme ça, vous voyez bien Easy Shine, même pas. Si, là, Easy Shine. Voilà, j'ai une petite loupe. C'est mon petit kiff d'avoir une petite loupe dans ma petite boîte. Et sinon il y a une petite seringue, mais normalement cette petite seringue là devrait être dans cette boîte là.
Ensuite, nous passons à ce qui se passe en dessous. Donc, il y a trois compartiments. Donc, comme je l'ai dit et toujours répété, il y a trois compartiments parce que chaque loulou a ses propres brosses. Malgré qu'il faut que j'en rachète quelques-unes pour qu'il y ait vraiment pour chaque poney le même nombre de brosses. Au niveau de Bilbao, alors normalement les trois loulous ont quasiment les mêmes brosses, mais les brosses ne viennent pas du même endroit. Pour commencer, du coup, du côté de Bilbao, nous avons une petite Magic Brush, donc pas les vraies, hein. Moi j'en ai aucune qui est vraie, mais celle-ci je l'avais eue en solde, en cadeau pour les soldes, donc j'avais acheté des soldes chez PAD et on m'a offert une petite Magic Brush. Et là du coup nous avons tout un matériel, donc ça c'était de base un kit de pansage que j'avais acheté chez Kramer de la marque Shoemaster. J'avais même eu un petit sac que je vous mets juste ici, et il y avait les petites brosses qui étaient à l'intérieur, donc en fait il y a un peu tout, hein. Il y a la petite brosse là, le petit cure-pied. Vous allez voir, en fait moi dans mes boîtes de passage il n'y a rien d'extraordinaire, donc j'ai un petit cure-pied qui est toujours de la même gamme, une jolie petite laiterie américaine qui commence à vieillir, donc elle a bien rouillé. Bon, celle-ci elle a beaucoup traîné dehors quand j'étais chez mes parents, du coup voilà, elle a un peu morflé la cocotte. Et voilà, sinon on a vraiment tout le kit de brosse. Je vais pas non plus vous faire tout un descriptif, hein. Je pense que vous connaissez le nom des brosses, mais du coup voilà, c'est dans les tons bleu et noir. C'était dans le petit kit. Du coup voilà pour Monsieur Bilbao. Hop, ah la vidéo, oh j'ai mis plein de sable en plus, bravo. La vidéo c'est à la bonne franquette messieurs dames. Hop, du côté de Gossip, du coup celui du milieu c'est celle de Gossip. Les petites brosses c'était des brosses de chez Decathlon, donc de la marque Fuganza. Voilà, c'est des petites brosses roses, ça, elles datent, hein. Celle-ci elle date de pas mal de temps, je crois que je montais en centre équestre quand je les avais achetées. Du coup voilà, et il y a également une petite brosse de la marque Mini Horse Shop, donc la brosse là je l'utilise pour les deux. Et également la petite Magic Brush qui est une hypotonique. Et le petit cure-pied. Il est où le petit cure-pied? Je vous montre mon petit cure-pied. Bon, ça, les petits cure-pieds, je crois que c'est ceux qu'on achète chez Decathlon pour pas cher. Du coup, voilà. Pour ce qui est de la petite Golden, du coup, il y a la laiterie américaine que, du coup, pour l'instant, j'utilise pour les deux filles. Donc, celle-ci, elle est toute rose. Je l'avais achetée chez PAD, il me semble. Et il y a également la petite Magic Brush. En fait, j'ai, je crois que... Non, hypotonique, c'est aussi hypotonique, celle-là. Ouais, j'ai deux hypotoniques, mais d'un logo différent. Mais j'ai deux hypotoniques et une PAD. Et les brosses que je kiffe de Golden, c'est celle-ci. Donc celle-ci, je les avais achetées chez PAD. Je les trouve beaucoup trop choupies. Bon, elles m'avaient coûté quand même un peu plus cher, parce qu'il y a le petit décor en caoutchouc, mais que je trouve magnifique. Il y a la brosse douce et le bouchon. Et il y a cette petite chose-là que j'ai mis ici, qui est ma boîte à élastique. Pour faire quand je fais des tresses au loulou, malgré que pour le moment Bibi et Gossip ont le crin en brosse. Donc ça en fait la boîte là c'était les élastiques pour faire les petits bonhommes là, que les petits décors qu'il y avait il y a un petit moment, hein, c'était la mode de faire avec des élastiques des petites figurines et tout. Du coup j'ai gardé la petite boîte là pour pouvoir utiliser les élastiques et avoir plusieurs couleurs si je veux que chacun de mes poneys ait une couleur différente. Voilà, vraiment c'est pour mon petit plaisir personnel. Du coup voilà pour la boîte de pansage. Comme je vous ai dit, il n'y a rien d'extraordinaire, mais vu que vous voulez savoir ce qu'il y a dedans, vous êtes actuellement servi. Et sinon dans cette petite boîte là, comme je vous ai dit, ce sont les produits que j'utilise, donc les produits de soins. Et il y a également mon petit rangement à côté où il y a mes petites cloches et les petites guêtres. Pour le moment, dans le casier que j'ai aux écuries, qui est assez petit pour mettre tout mon matériel, j'essaye de trouver de la place là où il y en a. Donc niveau produits, alors moi je suis vraiment la fille la plus simple au monde. Je n'ai pas 500 000 produits à mettre sur mes loulous. Quand j'ai un produit qui fonctionne bien, que j'aime bien, et eh bien je le garde. Je ne rachète pas une multitude de mêmes produits, pas du même produit, mais d'un produit qui a la même fonctionnalité. Ça ne me sert à rien. Du coup voilà un peu ce que j'ai comme produit. Donc on a ce produit-ci que je parle beaucoup, que j'adore et qui est
Il est vide, je crois. Il est bientôt vide. Je crois que je peux l'utiliser encore une ou deux fois. Donc, c'est le démêlant de chez la marque CNC. Donc, celui-ci, je vous en ai toujours parlé. Je l'aime. Il fait très bien son job et il dure assez longtemps sur l'écran. Golden, je lui avais démêlé la queue avec ce démêlant-là. Et presque un mois après, elle avait encore la queue qui était démêlée. Ensuite, hop, que je fasse pas de bêtises. Il y a ceci qui est du coup la lotion des zones sensibles. Donc à la, comme je vous ai dit, de base j'utilise les lingettes en été quand ils n'ont pas beaucoup les yeux qui coulent, mais lorsque c'est vraiment en hiver et que j'utilise la lotion de chez Ekina qui marche très bien. Et voilà, elle a toujours bien nettoyé les muqueuses de mes loulous. J'ai également un autre démêlant aussi de la marque de chez Ekina. Donc celui-là, il est encore rempli. Je pense que je vais pouvoir l'utiliser une fois que celui-ci sera terminé. Au moins, je ne me retrouve pas en manque de démêlant. Et de la même gamme de chez Ekina, il y a également le extra lustrant. Donc ça, en fait, c'est vraiment pour la touche esthétique du poil du poney. Je leur mets sur leur poil et voilà, ça donne la petite touche finale si je leur fais un pansage complet. Sinon, nous avons ceci. Bon, ceci, je n'ai pas eu beaucoup à l'utiliser parce que les loulous ne se font presque pas mal. Mais du coup, j'ai le petit Derma Protec au cas où s'il y a des petits bobos de chez la marque Raven. Du coup, voilà, c'est pour les petits bobos au cas où si vraiment il y a quelque chose à mettre. Je leur mets dessus. J'ai une fois dû le mettre à Gossy, mais il y a quand même un ou deux ans. Sinon, il est encore rempli le machin. Je ne l'ai quasiment pas utilisé. Sinon, j'ai ces deux produits-là. Donc ça, c'est mes onguents. Donc j'ai mon onguent blond. Donc quand on est en été et qu'il faut hydrater le pied. Et j'ai mon onguent noir quand il faut un peu plus durcir le sabot. Donc mon onguent noir, c'est de la marque Shoemaster. Je crois, oui, la marque Shoemaster, donc de chez Kramer. Et mon onguent blond, c'est de la marque Fuganza, je crois. Ouais, c'est celui-ci que j'ai acheté chez Decathlon. Ces deux produits-ci qui ont la même utilité, donc, mais qui sont d'une marque différente. Donc c'est la petite poudre détachant pour les robes claires. Donc celui-ci, c'est celui de chez Ekin qui a bien été utilisé. Ça fait quand même un certain moment que je l'ai. Et il y a peu de temps, la marque CNC m'avait envoyé leur détachant également, qui du coup a commencé à être utilisé. Mais les deux ont la même efficacité, je n'ai rien à redire. Et sinon, pour terminer, eh bien, c'est ce que je vous ai dit, hein, il y a des médicaments. Donc ça, c'est le médicament que j'ai dû donner à Golden quand elle m'a fait sa grosse chute de poids. Donc c'est un anti-inflammatoire pour l'intestin. Et sinon, nous avons cette petite poudre-là qui est une poudre anti-puce naturelle. Donc de base, c'est pour les chiens. Mais on l'avait utilisée sur les poneys quand ils se frottaient la queue. En fait, le niveau de la croupe, il se grattait, du coup ils avaient quasiment pas de poils. Donc Claire m'avait passé ça vu qu'elle m'a dit que c'est naturel, ça ne pourra pas leur faire de mal. Donc j'en avais appliqué sur leur petit popotin. Et hop, un dernier médicament, c'est également une lotion pour les démangeaisons, donc les puces, etc., qui est une lotion qu'on mélange dans de l'eau pour ensuite frotter sur les popotins. Du coup, voilà ce qu'il y a dans cette boîte-ci. Et vu que je vous ai tout présenté, cette vidéo va être terminée. Donc ça, je refous en vrac. Vous n'avez rien vu, je rangerai plus tard. Donc voilà, la vidéo est terminée. Comme je vous l'ai dit, c'était vraiment du cool Raoul, pas du montage non plus extraordinaire. Mais c'est des vidéos qui sont de base simples. Donc je n'ai pas voulu modifier cela. Moi, ça m'a plu. J'espère que ça vous aura plu également. Je vais vous laisser. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Salut !